D'ailleurs, quand lui et moi on se connaît, moi je sais même pas que il fait dans les trucs des églises, dans l'année, etc. On se rencontre sur Facebook, il m'envoie un message, il me dit qu'il a une prophétie pour moi, et puis on se rencontre, voilà, on discute. Je rentre chez moi, je le connais pas, il me connaît pas. Quelque temps après, il me drague, voilà, bon, preuve, c'est arrivé, c'est arrivé. Qui ne me connaît pas? J'ai dit à un moment donné, c'est pas possible. Quand quelque chose est faux, il faut dire que c'est faux. Quand quelque chose est faux, il faut dire que c'est faux. Et je l'affirme aujourd'hui, c'est un faux homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu ne se comporte pas comme ça. Un homme de Dieu ne part pas de relation en relation. Un homme de Dieu ne drague pas les filles partout dans Libreville. Aujourd'hui, je suis humiliée. Je suis humiliée, ce qui fait que même si j'ai une relation aujourd'hui, j'aurais du mal même à emmener cet homme chez mon père. Parce que directement dans ma tête, je vais penser à ça, que encore une autre relation. Mon père va dire quoi? Ma mère va dire quoi? Prenez, faites les captures de vidéos et envoyez ça à ces personnes qui racontent que Chocolat disait n'importe quoi. Moi, je suis la preuve vivante que ce qu'il avait sur le papier était la vérité. D'abord, je mets la vidéo pour que vous voyez mon visage. Voilà, voilà moi, c'est moi. Voilà mon visage. À un moment donné, il faut qu'on arrête. À un moment donné, arrêtez, il y a Ma trop de chérie, tu as fois. eu l'enfant avec lui. Maintenant, Non, moi, je ne vais pas mentir, j'ai été baptisée dans l'église de Stéphanas. J'ai été baptisée dans son église. Mais je n'ai pas connu Dieu dans son église. J'ai connu Dieu ailleurs et je suis venue prier dans son église. Et d'ailleurs, quand lui et moi on se connaît, moi je ne sais même pas qu'il fait dans les trucs des églises, dans l'année, etc. On se rencontre sur Facebook, il m'envoie un message, il me dit qu'il a une prophétie pour moi et puis on se rencontre, voilà, on discute. Je rentre chez moi, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Quelque temps après, il me drague, voilà, bon, preuve, c'est arrivé, c'est arrivé. On a accepté. C'est là où je commence à le découvrir en fait. Car c'est un homme de Dieu, il est prophète, c'est ça en fait. On s'est rencontrés et puis voilà, on a trouvé le local, tout était bien, ça se passait bien, jusqu'à ce que le désordre a commencé dans l'église. C'était des disputes totales avec les filles de l'église parce qu'il y avait le manque de respect, il n'y avait pas de l'entente, etc. Et où on ne me respecte pas, je ne reste pas. Et quand je suis partie de l'église, jusqu'à on a sali mon nom. Que je suis partie de l'église parce que je suis sentimentale. Je ne suis pas spirituelle. Je suis partie de l'église parce que je suis émotionnelle. Mais la vérité n'est jamais sortie. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que je suis partie de l'église parce que c'est une histoire de jalousie. Je ne sais pas de quoi. Mais c'était rien de ça. Je suis partie de l'église à cause de la Mais ça, je saleté, ne du comprends plus. mensonge et du désordre. Aujourd'hui, ça fait Ça 3 ans. va. Ça fait 3 ans Ça que va, je ne mieux que prie pas les à enfants. l'église. J'ai décidé de prier chez moi parce qu'il y a trop de saleté dans les églises.